Bonsoir. Salut. 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 Le soutien, il va rester avec moi. On va poser la garnie sur mon marqueur défense ou déplacement. Je sais plus. Pilote, marque, vous traversez vite. Donc là, ça va être simple. Passage de Douve, c'est la genre de canal de qu'un pour aller à 40 ans là, qui est vraiment embêtant. Je crois qu'il y a que quelques passages en bateau ou système de barres qui font des ponts. On peut passer ici, ici. Et quelque part par là en véhicule. Donc là notre but ça va être assez simple, c'est le bord de map gauche qu'on va jouer. Donc là le point à défense c'est que le côté gauche. Donc on peut quand même passer par la droite, poser nos nodes, etc. par la droite pour être moins repéré. Oh là. Et on aura juste à attaquer tout droit. Normalement ici j'espère Salut. qu'il y a un pont là. Normalement qu'il y a une barque, ça veut dire qu'il y a un Salut. passage pour les Salut. véhicules ou à pied. On a des barrières un peu naturelles, hein, comme on peut voir le En canal, là, on défense, peut pas soutien. trop passer. Faut juste bien défendre ce secteur là. On va attendre la paix. On capture assez vite le point, donc c'est cool. Bon là par contre les Allemands Après, vont je vois arriver bien que quelqu'un super switch vite. soutien. Je voudrais poser une autre garnie sur mon marqueur défense. Normalement, ça fait 200 mètres, c'est bon. Moi j'ai pas respawn si tu veux, je peux prendre soutien. Bah, je vais mettre la paix, puis tu vas swap avec Expen. Ok, bah j'attends que tu swap. Merci. Tourne sur la paix, puis il me pose la caisse. Après, tu peux choisir le rôle que tu veux. Ok, j'arrive. 20 secondes pour la paix. Donc là, la technique, c'est de pouvoir switch de classe pour ensuite pouvoir avoir le plus vite possible des caisses de soutien. Parce que la personne qui a posé la caisse de soutien juste avant a un petit cooldown. Et le temps qu'il se faire apparaître la caisse, donc ça prend un peu plus de temps. Donc là, la technique qu'on fait, c'est qu'on switch de gars. La paix aussi. Hein? Ça vous avez la paix? Ouais, Ouais, mais tu veux que je la j'espère la pose où la garnie sur toi caisse? quand même. T'inquiète. Où tu veux, je prends des herbes ici, je vais te poser. Attends, ok. Donc là voilà, j'ai posé la caisse. Là on peut voir le petit cooldown. Et moi ce que je peux faire c'est que je peux respawn ou continuer la game et changer de kit par la suite quoi. Par contre de nuit ça va Ça être arrive par incroyable. là. Ok moi bon, ça arrivait plein sud. Ça a un Sud-est de ma GMC. position. Oh les les roquettes maintenant on les voit trop bien. Ok. Ah ouais, c'est vraiment le... Oh ouais, c'est incroyable de nuit. Oh mec, c'est incroyable. J'ai fait ça Je vais vous avancer la paix à l'envoi. en tir flair, c'est incroyable en réalité là. On reconstitue, mais là c'est... C'est magnifique de nuit le jeu. Ça change complètement les maps. Surtout hein. Dans les marécages comme ça. Autour de 40 ans. Attention, vous avez de l'infanterie qui arrive sur votre flanc gauche, marqueur à infanterie précis. Hein. Sur mon ping, attention. La louche qui approche aussi. Traitez sur ton ping. Quelqu'un peut me piquer louche, plein 167. Et ça grosse. Arrive à l'Elgo. 167, il y en a un aussi. Le ping là, c'est de l'infanterie. Ouais. Là où je ping, c'est pareil, c'est infanterie. Ah, les camions, ils l'ont mis dans les. Ils l'ont mis dans le canal. Voilà. Par contre, il y a bien le véhicule blindé hein, avec. Le blindé, il est à peu près dans cette distance, en plein sud. Je vois les 300, mais je vois pas la position. Oh la vache! C'est des explos là. Ça va être compliqué, ouais, sans AT, c'est chaud. On est où là? Le contact doit être par là. Il faut que je le reping, tiens, pour voir à peu près où il est sur Position la point carte. 9 sur ton marqueur léger. On le voit pas avec la nuit. Il est au bout? Ok, marqueur D. Ah, il est pas si loin que ça en vrai. Et on a l'infanterie qui arrive dans le canal gauche auquel j'y vais. C'est juste ici là, normalement. Je suis où déjà? Attendez, je regarde vite fait. Ouais, c'est plus ce canal là. Ok. On va essayer de riposter un peu là. Baisser des têtes allemandes.
je vais reprendre mon automatique après. Voilà, hop, on fait sauter le clip. Oh. Ah nickel, take over. Faut que j'arrive à avancer aux 200 mètres là. Attends, je recharge. Ouais, faut prendre les positions là. Le char il est où? Il est toujours au même endroit? Ok, il est à droite, ok. Ouais, ceux qui on va essayer de se déporter sur un flanc parce que c'est un tâche de char qui nous connaît. Je vais essayer de nous mettre à la paix. On l'a vu. Il y a un autre char route principal. Ouais, on l'entend encore, hein. Le blindé il est toujours à droite. Hein. Ouais, l'aviation. Pour l'instant je vois pas trop ce que c'est. Largage, ok. Oh, la brume et tout, c'est incroyable le jeu, hein, franchement. Ah oui, je le vois. Ah, le blindé est sur mon marqueur. Hein. Ah, contourner ce blindé là, attends, et on est en bordure de map. Ah oui, il peut limite l'avoir, lui. Oh, mais là, il me voit là. Waouh! Ok, c'était une smoke, j'ai cru que c'était... Oula, non, c'est pas pour moi ça. Attention, blindé, attention. Je recharge, Nico. Il a visu là, il m'a tiré dessus il y a pas longtemps. T'as pas droite de la haie là sur ping. Pikachu là, il est pile dessus, Pikachu là. Oh, ça court au bout là-bas, j'en ai vu un. Le tigre est mort. Ah GG, ils ont détruit le char. Un char blindé, un char lourd. S7, tu veux que je pose une autre caisse? Tu peux supplac? Marquer, enlever le marqueur char. Oh ben, je me suis pris l'artillerie. Je vous avance vers la paix, bouge pas. Ah ouais, notre essai il a bien poche. On va pouvoir poser notre AP parce que là on se fait défoncer à l'artillerie pile sur nos AP. En même temps, la plupart des AP alliés sont au même endroit, donc c'est dangereux. On a un char léger ici. Ah ben, on n'a plus de char léger, il est mort. Ouais, c'est dommage, il avait une bonne position pour tirer, mais ouais, la route là, ils se sont fait défoncer à deux, quoi. Un camion et un char. Non, ce côté-là c'est mort, ça a l'air trop profond. Je vois très bien où on est là, mais... Oh, là, il y a un ça petit passage d'infanterie. Faut vite qu'on arrive à bloquer ce passage. Ah oui, il y a une garnie, ok. Ils ont un AP dans le champ, là, sur marqueur. Ouais, je te couvre. Garnie détruite. T'as une caisse derrière. Ouais, je suis en train. Détruire la caisse de la logistique allemande. Du ravitaillement plutôt allemand. Caisse détruite aussi. Allez, sur point fort pour la carte. Je vais essayer d'avancer. Tank marqué accurate. Il y a un tank ici qui arrive. Marqué accurate sur vous. Bah on a des chars qui arrivent derrière nous. Ah ouais, ça pue ça par contre. Un mort. Ok, je crois qu'on est touché. Je vais te taper derrière. Ouais, je suis là. Deux. Un mort, mais ouais, là, je suis pas sûr. Ouais, vas-y, mets la paix parce que... Ouais, on a sauté. Oh le bâtard, bien positionné l'enfoiré. J'ai vu le petit trou, je voulais me placer et il a bien géré. Pas mal le passage, je connaissais pas ici ce secteur là, il y a un petit trou là. Dans la maison, il y a du monde. Allez, j'arrive sur la paix, je te pose des caisses. Oula, la MG. Et je te mets une caisse de supply aussi, chef. Voilà, c'est posé. La perdition, c'est juste un côté. Faut arriver à stabiliser ferme. En fait, le problème, c'est qu'on a des chars qui sont de ce côté-là. Là. Il y avait un Allemand entre moi et mon collègue. Ouais, c'est normal, ils arrivent sur la paix. J'étais un petit peu gourmand.
Ah ok, non, il est mort en fait, mon collègue. Un traité sur AP. Oh la vache. Ah la rafale. Ah c'est vrai que la nuit ça rigole pas. Hein. On continue son AP. Ah oui, c'est chaud là. La recoupe pas mal pour avoir les infos là. Ouh, un char. C'est bien d'avoir un système de redéploiement, de pas perdre de tickets avec ça. Oh punaise. Oh mince, j'arrive pas à le ping. Cherche mon ping. Le troll là, c'est de revenir. Ok. Déjà marqué. Je vous avance à taper dès que possible. On nettoie l'arrière du camp, madame. Mince, j'ai rien pour le smoke. Je peux pas passer par le pont. Ok, détruit. Le PZ4 a été détruit. Il est bugué. Bon, ok, on arrive, on a un vis sur la jante de ruine. Alors là, il y a du monde, ça a pu. Ça... Ah non, ça a lié. Ça m'amène par là. Si je continue par le petit ruisseau, ok. Bon, c'est pas grave, on va se mouiller. Hein. On va dire que j'ai pris des bottes allemandes et puis voilà, je traverse sans être trop mouillé dans les godesses. Je suis à la moitié de mon corps dans l'eau là. Oh, y'a un Stuka qui est tombé là. Oh, mama. Ceux qui meurent, vous respawnez pas sur la plaie, vous allez en death parce que la death est trop fragile là. Ah, mince. Ok, on va devoir retourner en death. On a l'air de recap. Ouais, ça a l'air d'aller pour l'instant, mais bon. Comme de la Madeleine, je suis un peu loin. Ok, allié devant. Moi j'ai les overlays HUD des persos un peu loin, donc du coup je vois pas tout. Oh, il y a un pont, attends, je vais essayer de passer. Voilà. Voilà, nickel. Si on peut longer le petit canal à couvert. Ah, ça va, on gap. Oula. Ça c'est un char. Il est mort le mec à côté de toi. Ouais, je respire. Ouais, ouais, ce que je vais vous proposer c'est marqueur attaque et on nettoie et on va sur le dernier point. Ok, aussi. Je sais pas trop si c'était un moitié. Plus de l'artillerie. Mais aussi du canon, je suis pas trop sûr. Ah, ça c'est de l'artillerie qui vient de tomber, mais l'autre avant c'était un tir de canon, je crois. En pleine lune et tout, c'est incroyable. J'ai déjà fait des parties de reconcite en plus en pleine nuit comme ça. En pleine lune et tout. C'est incroyable de faire ça. C'est à moitié éclairé comme là. Bon, on était plus en fait. Ah, ici qui traverse. Il y a un mec sur pile derrière. J'ai eu peur. Camp. Quand tu vois des mecs comme ça, comme dans la. Un deuxième. Comment reconcite, tu vois des silhouettes au loin de traverser, tu dis oula. C'est pas trop social ou allemand, là, y a pas de HUD comme là, on peut voir. Trop facile en mode, ah ouais, c'est bon, c'est des alliés. Par moment, t'es obligé d'être. T'es obligé de te camper pendant des heures et des heures. Pour être sûr de l'info. Si je veux par là, y a le canal, ok. Il faut que je longe le canal. Mince. Par contre les tranchées, on est trop gros les américains, donc on est obligé de s'écarter de la tranchée. Je crois qu'il y a un char qui tire dessus, Skyram. Ouais, ouais, un char léger là. Char anti-infanterie, ouais. Ah, il est en train de pépite, hein. Ouais, il va mourir là, c'est bon. Ouais, une dernière et c'est bon. Allez, V2P, GG à toi pour le shoot. Ouais, défait. Ouais, bien joué. 1 contre 0 hein, sur la base. Oh là là. Incroyable. 1 contre 0 quand même. Oh, l'aviation qui tape et tout. On les voit même pas. On voit juste la mitraille qui tire de l'avion. C'est incroyable. Alors, ça fait quoi d'être cramé par l'américain? Par la fameuse Mickey. Attends, c'était là-bas que ça tirait tout à l'heure. La maison, elle est bien placée. Tu mets une MG là, c'est incroyable la vue que t'as.
Ok. Là, je suis pas au point fort. Je sais pas trop ce que c'est là qui me tire dessus. Bon, bah, bien joué. Oh, excellent. Magnifique. Oh là là, c'était même trop rapide pour moi. Ah ouais, la vache, le niveau que j'ai là avec moi. 162, elle est le plus bas. Moi, je suis bientôt capitaine. Donc, c'est pas mal. Franchement, j'ai pas fait grand chose. Hein.